L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répandent en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce mardi. Lui par la sœur Marie-Reine Teko Abou Ndéa et le diacre Justin Dikuno Estema. Commenté par le Père Charles-André Edore, SM. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même la profondeur de Dieu. Qui donc parmi les hommes sait ce qu'il a dans l'homme, sinon l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît ce qu'il y a en Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Or, nous, ce n'est pas l'Esprit du monde que nous avons reçu, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Et ainsi, nous avons conscience des dons que Dieu nous a accordés. Nous disons cela avec un langage que nous n'apprenons pas de la sagesse humaine, mais que nous apprenons de l'Esprit. Nous comparons entre elles les réalités spirituelles. L'homme, par ses seules capacités, n'accueille pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Pour lui,
ce n'est que folie, et il ne peut pas comprendre, car c'est par l'esprit qu'on examine toutes choses. Celui qui est animé par l'esprit soumet tout à examen. Mais lui, personne ne peut l'y soumettre, car il est écrit, qui a connu la pensée du Seigneur, à qui pourra l'instruire. Eh bien, nous avons la pensée du Christ. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 144. Le Seigneur est juste en toutes ses voies. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est juste en toutes ses voies. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Le Seigneur est juste en toutes ses voies. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est juste en toutes ses voies. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc, chapitre 4, versets 31 à 37. En ce temps-là, Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il y enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur, qui se mit à crier d'une voix forte. « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça. « Silence, sors de cet homme. » Alors, le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi et ils se disaient entre eux, « Quelle est cette parole ? » Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs. Et ils sortent, et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, dans l'Évangile d'aujourd'hui, a parlé avec autorité parce qu'il a prononcé la parole de Dieu comme personne ne l'avait prononcée auparavant. Lorsque les rabbins enseignaient
ils étayaient leurs déclarations par les citations d'autres autorités. Les prophètes parlaient avec une autorité déléguée, comme ainsi parle le Seigneur. Lorsque Jésus parlait, il n'avait besoin d'aucune autorité pour étayer ses déclarations. Il était l'autorité incarnée, la parole de Dieu faite chair. Quand il a parlé, Dieu a parlé. Comment répondons-nous à la parole de Dieu? L'écoutons-nous avec une soumission sélective ou avec le plein assentiment de la foi et de l'obéissance? Jésus aussi a ordonné aux mauvais esprits avec autorité et puissance de sortir. Jésus a pris l'existence du mal au sérieux. Avec une calme autorité, il chassa les mauvais esprits de l'homme dans la synagogue. Un prêtre a dit que le mal est une réalité. Nous rencontrons le mal en nous-mêmes lorsque nous sommes tentés, lorsque nous cédons aux tentations, lorsque nous faisons ce que nous n'avons pas l'intention de faire, lorsque nous ignorons la voix de notre conscience. Nous rencontrons le mal chez les personnes qui nous entourent, dans notre société, dans le monde. Nous avons souvent l'impression que notre société est imprégnée de mal. Qu'est-ce qu'on fait? Saint Paul nous conduit à l'attitude de base que nous devons avoir pour affronter le mal. Suivre les impulsions du Saint-Esprit qui empêchent le mal d'entrer et ne permet pas de se répandre dans sa vie. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est le coup de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24. En direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.